Tu te lèves et les ténèbres le crient.
qu'elle lève et toute pollution disparaît et les œuvres des ténèbres sont anéanties. La Bible dit qu'alors que Philippe prêchait Christ en Samarie, les maladies quittaient les corps, les démons fuyaient les corps. Seigneur, donne que pendant que Jésus a été prêché ce soir, que ce soit des choses telles qu'il n'y en a jamais eu nulle part. Élève-toi, glorifie-toi, touche les cœurs. Console ceux qui sont abattus. Merci infiniment à toi, notre délivrance. Toi qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Magnifique. Tout puissant. Le roi des rois. Lui seul est digne d'acclamation. À nous maintenant, tous ceux qui sont dans la salle, que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous pour expérimenter sa gloire d'une manière exceptionnelle ce soir. Amen. Combien savent ici que Jésus est puissant? Amen. Quelqu'un a les narines qui coulent beaucoup depuis 6 jours, il vient le guérir. Amen. Je veux dire à ceux qui nous regardent continuellement et qui écoutent nos témoignages que nous attendons aussi les vôtres. Alléluia. Connectez le maximum de personnes possible. Nous voulons élever le nom du Seigneur une fois de plus avec vous tous ce soir lorsque je vous invite à aller avec moi dans Actes chapitre 15. Nous allons lire des versets 1 au verset 10. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans cette salle, il est très oppressé dans la poitrine depuis 6 jours aussi. Il vient d'être guéri de cela. Amen. Toi qui as le pied droit qui est très affaibli depuis 16 jours, tu reçois également la délivrance. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ah, la dame assise au fond là-bas, je ne voudrais pas dire de la montrer forcément. Elle sent comme si le cœur bat dans la zone du bas-ventre, comme si quelque chose respire. Pouf, 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 pouf. Tu ne seras pas opéré. Nous évoquons le projet de l'ennemi. Nous l'annulons. Ça avorte. Par Amen. Contre, tu vas avoir beaucoup de gaz pendant 11 jours. Ce sera cette chose-là qui sera en train d'être dégagée. Tu sais d'avoir mal au dos, les vertiges quittent, cette tristesse qui monte en toi et tu ne sais même pas ce qui se passe, pourquoi tu es triste, pourquoi ça monte. C'est la même force qui t'oppresse avec cette tristesse qui fait que les enfants aient des maux de tête depuis 3 jours. C'est la même qui fait que tu sois affaibli dans la mâchoire droite depuis bientôt 15 jours. Il y a même du puits dans toi, dans la salle. Ça va être enlevé. Et cette force est comme un dragon. Et cette force est balayée dehors. Et tu cesses d'être à voir l'oreille gauche affaiblie. C'est une oppression qui est chez toi. C'est la même qui t'oppresse la poitrine. Qui te fait trop de vertige et le manque d'appétit. Tu es libre. Et tu as commencé à sentir cette forte envie de couper les cheveux suite à cette oppression. Cette oppression disparaît et puis tu gardes tes cheveux. L'angine est partie. Et angine ou pas? La gorge affaiblie, n'est-ce pas? Ça part. Pour ne plus jamais revenir. Dans le nom de Jésus. Les témoins, c'est après. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu as 3 diarrhées qui arrivent, t'inquiète pas. Ce sera une vieille vie. C'est un nettoyage, un temps de nettoyage. Tu sais avoir cette forte faiblesse dans l'œil, quelque part ici. Et le bassin affaibli. Et ce déhanchement que tu sens dans la hanche droite, comme si. Déhanchement de la hanche ici. Ça quitte. Cette oppression te quitte. Le Seigneur te donne la santé. Dans le... Et puis tu sais avoir ce phénomène où le côté droit du visage noircit parfois un tout petit peu. C'est vrai ou c'est pas vrai?
fini. Avec son autorisation, ça peut passer à la télé. Alléluia. Amen. Donc, nous rendons toute la gloire à Dieu qui te restaure. L'hypertension, il y a trop de tension en toi. Depuis 2 mois, c'est pour ça que tu expérimentes la constipation. Montre-moi la formule un peu. C'est tout ce que je dis, lève. Alléluia. Amen. Mais si elle veut, avec l'autorisation, si elle te donne la permission de diffuser son visage, bon. Amen. Amen. Tu as des miracles financiers. Amen. Il y en a 14 ici. Amen. Tu as aussi 4 promotions qui sont en train de se positionner. Donc, au cas où tu ne croirais pas, je te donne un détail. Ouais, tu crois. Dans le nom, tu sens comme une blessure dont tu ne comprends pas l'origine, sous la plante du pied droit, une faiblesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, crois donc en Jésus maintenant. Dans le Seigneur te restaure ta peau. Tu cesses d'avoir ces phénomènes où tu te lèves et puis tu as des sortes de boutons qui sortent sur le flanc droit du corps, là, sur la peau. C'est fini comme cela. C'est terminé. Et puis, depuis bientôt 9 mois, tu as eu ce phénomène avec trop de saleté, les pertes blanches qui sont trop dégagées du bas-ventre. Ça va encore continuer 6 jours. Après ça, tout est totalement nettoyé. Tu as l'impression que tu as une forte odeur que tu ne comprends pas depuis bientôt 11 jours. Et ça disparaît. Amen. Dans le nom, la pauvreté t'a quitté. Amen. Vous avez tellement prié sur la pauvreté. Et puis, tu ne sais pas que les prières sur la pauvreté, lorsque maman a enseigné ces jours-ci, ça t'a déclenché des démangeaisons sur la peau du ventre. Ce ne sera pas tout le temps, c'est juste la pauvreté qui va. Amen. Démangeaisons sur la peau du ventre. Ça va encore faire 3 jours. Après, tu auras beaucoup de peine. Jusqu'à ce que tu finisses de gratter la pauvreté. Là. Amen. Ça donne les clous de pauvreté. Donc, c'est passager. Amen. Donc, t'inquiète pas. Ça passe. Tu sais de vivre ces phénomènes où tu te lèves et puis tu touches la peau de l'oreille et puis ça fait mal. C'est fini. Vous avez ce problème dans cette famille où sous l'oreille gauche, sous l'oreille, comme si l'oreille se décolle parfois, comme si ça se blesse sous l'oreille. Vous êtes 18 et 26 personnes d'une même contrée, d'une même lignée familiale, vous avez ce même problème. C'est une malédiction de lèpre qui est brisée. Amen. C'est ça qui fait que tu vois la paume, les doigts de la main droite de plus en plus s'arrêter, surtout depuis 4 ans. S'arrêter. C'est ça qui fait aussi que certains moments, certains membres de votre famille, le côté droit de la bouche, c'est comme si les lèvres s'étirent beaucoup de ce côté. Et tu as ça depuis 2 jours. Le côté droit s'étire. Et tu te blesses légèrement sur l'œil ici. Donc vous pouvez faire la lèpre dans votre lignée familiale. Il y a eu trop d'occultisme en rapport avec votre lignée familiale. Surtout de grands féticheurs 6 et 11 qui ont été des célébrités en termes de fétiches. C'est pour ça que et l'opération est facile chez vous. On a opéré déjà plus de 11 personnes. Je vois des gens avec une cicatrice, surtout la lame qui est passée du côté droit du bas-ventre ici. À cause des ces petits troubles-là. Et ce couteau d'opération qui est préparé pour toi, aussi encore cette malédiction, nous la brisons aujourd'hui. Nous la brisons. C'est pour ça que tu as cette faiblesse sous le sein droit depuis 3 jours. C'est cette force qui veut t'amener à l'opération. Et nous brisons la malédiction. Amen. Nous la brisons. Amen. Non seulement sur toi, mais sur toute ta lignée familiale. Amen. Deux de tes enfants cessent de souffrir des problèmes de ventre. Le ventre. Dans cette oppression, quitte aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Quand tu te relèves, le paludisme te quitte. Le palu a rencontré le salut maintenant. Amen. Alléluia. Pardon, montre la femme là. Montre là, je lui donne l'autorisation. Amen. Il ne faut pas que ceux qui nous regardent à distance croient que nous sommes en train de fabriquer quelque chose. Alléluia. Amen. Ce paludisme a commencé à affecter ta colonne vertébrale avec une forte faiblesse.
Il était déjà fort au point où tu sentais comme un déséquilibre dans ton corps. Comme si le côté droit avait un déséquilibre. Tu as failli tomber avant-hier et tu te sens comme anémie. Est-ce que tu m'avais dit cela? Alléluia. Ce n'est pas l'Ulysse de Kit. Dis à ta mère qu'elle est guérie du sein droit. Dis-lui cela. Ça fait 14 ans qu'elle a eu cette oppression dans le sein droit. Oui, ça s'arrête aujourd'hui. Elle va nettoyer du ventre. Elle aura 26 nettoyages et 2. Avec une pause de 4 jours. Alors là, je dis 26 et 2. Parce qu'au 26e, ça va s'arrêter. Il faut qu'elle ait une pause de 4 jours. Un grand nettoyage. Et aussi, ta mère va chercher la colère, elle ne va plus trouver. La colère facile fuit chez elle. Pas seulement chez elle. Vous êtes 8 et 3 dans la même lignée familiale, la colère fuit. Ceux qui ont juré que tu ne vas jamais rester à dire en mariage, que tu ne peux même pas te marier, la malédiction est brisée. Amen. Et puis on dit, tu es un homme. En fait, on a désiré avoir un garçon dans les moments de ta naissance. Un homme. Tu es un homme. C'est toi vraiment l'homme ici. Bon, tu dois t'occuper de tout le monde. Tout le monde. Parfois, tu t'occupes même des gens, ils s'en fichent éperdument, mais tu dois t'occuper d'eux. Je n'ai pas dit que tu ne t'occupes plus des gens, mais c'est quelque chose a été déclaré dans ta vie que tu dois t'occuper des gens. Comme une forme de servitude. Et dans ce cas-là, ce genre de condamnation fait que tes enfants deviennent une menace pour les gens. Parce qu'ils diminuent ton potentiel, ta capacité de t'occuper des autres. Maintenant, tu la diriges sur tes enfants, sur ton mari. Et cette malédiction est brisée. C'est celle-là qui fait que, concernant, tu te réveilles, tu as mal au cou. Le mal de cou, c'est un joug spirituel qui s'exprime tout simplement. Et à certains moments, c'est comme s'il y a une petite blessure qui vient autour du cou quelque part. La peau s'affaiblit. Ça te quitte. C'est la même servitude qui fait que certains jours, tu te lèves, tu es blessé sous les selles, sous les aisselles, un tout petit peu de petites blessures. C'est la même servitude qui te fait avoir la faiblesse des ongles. Jusqu'à 8 ongles de tes doigts sont affaiblis. Et 3 même menacent de sauter déjà. Et que c'est laid d'avoir une femme qui a des ongles qui ont sauté. Jésus sauve, le salut entre aujourd'hui. Le salut touche tes ongles. Amen. Pas ce qui se passe dans les salons de manicure, pédicure. Là maintenant, c'est la vraie manicure. Alléluia. Vraie pédicure. Amen. C'est pas avec la colle de mon colo, de mon lit. Maintenant, là, Jésus recolle tes ongles. Amen. Alléluia. Amen. Dans, assois-toi encore. Père, j'ai vu 3 choses quitter le chez toi et ça quitte aussi ta vie. Amen. Tu sais d'avoir une forte oppression dans la poitrine. Amen. Tu es libre, les insomnies t'enfuient. Amen. Tu vois ces démangeons que tu as au centre de la tête ici, tôt depuis 6 jours, ça fuit. Amen. Dans l'oppression, mais tu as des gens qui vont chuter à cause de toi. Amen. Et ça vient de commencer. Amen. Ils sont 8 et 6. Amen. Tu sais d'avoir mal dans la main droite. Amen. On t'a tellement attaqué que qu'une force te chasse comme une proie. Cette force-là a failli te faire du mal terriblement à ton mari 4 fois. Elle t'excite à commettre un meurtre. C'est alors cette force qui fait que tu sens comme si quelque chose, un cœur bat quelque part dans le baron. Ils disent qu'ils t'ont mangé ton cœur. Et le Seigneur te délivre de cette force. Cette force s'appelle Jana. C'est elle qui te fait beaucoup rôter depuis 3 jours. C'est elle qui fait que tes yeux coulent un peu, surtout l'œil gauche. Et tu es guéri. Totalement guéri. Cette force sort maintenant, le mal de dos te quitte. Elle sort aussi maintenant, et puis de ta maison, et puis cette tendance que les enfants ont à vouloir bagarrer entre eux, surtout depuis 6 jours. Des petits problèmes faciles entre les enfants là. Ça quitte. Amen. Et tes deux enfants qui veulent couper les cheveux de plus en plus, c'est toujours cette force.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout ça sort de chez toi. Et votre télé, votre téléviseur, ça se fait bap, 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 dans un coin là-bas. Alors que c'est un téléviseur qui n'est pas si vieux que cela. Tu vois, le mien, il a plus de 10 ans maintenant, bientôt, je crois. Alléluia. Amen. Et lui, il marche, hein. Donc, c'est le Seigneur, ouais, et puis deux robinets ont recommencé à déranger, et puis la main du Seigneur stabilise ces choses. Dans le propriétaire du chien est vaincu. Amen. Pendant que tu soupçonnes ce serpent chez toi, j'en ai vu 8 et 6, des forces bizarres. L'une de ces forces fait que tu sens une forte tension dans l'œil gauche de plus en plus. Quand on balaie toutes ces saletés dehors, un féticheur meurt accrépi dans deux jours. Amen. Il s'appelle Alex. Amen. Il a 59 ans. Amen. Jesus. Il a chuté. Amen. C'est les effets de ce féticheur qui font que sous le sein droit, tu sens une forte faiblesse depuis 16 jours. Amen. Ceux qui veulent te tuer, ils sont en train de perdre leur temps. Amen. Christ est déjà mort pour toi. Amen. Il a payé le prix. Il est mort de ta mort. Amen. Voilà pourquoi aucune forme de mort n'est légale en ce qui te concerne. Amen. Il t'a ressuscité. Il nous a ressuscité avec lui. Amen. Et la mort n'a plus de pouvoir sur le ressuscité. Amen. Jésus a déjà, dis avec moi, Jésus a déjà composé cette épreuve pour moi. Jésus a déjà composé. Je n'ai plus à la composer, je n'ai plus à la passer. Il a passé. Il a remporté le prix. Donc sur cette épreuve-là, j'ai la victoire. Je refuse de mourir. Quiconque planifie ma mort meurt de ma mort. Meurt de ma mort. Jésus est mort à ma place. Jésus est mort à ma place. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Je n'ai plus rien à payer. Je n'ai plus rien à payer. Alléluia. Amen. Parce que quiconque me condamne se condamne. Parce que quiconque me condamne se condamne. Alors quiconque s'attaque à un lion se condamne lui-même. Quiconque s'attaque à un lion se condamne lui-même. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est le lion de la tribu de Judas. Je suis de sa famille. Je suis de sa famille. Je suis de sa race. Je suis de sa race. On ne peut pas avoir un frère lion sans en être un. On ne peut pas avoir un frère lion sans en être un. Quiconque s'attaque à un lion se suicide. Quiconque s'attaque à un lion se suicide. Donc j'approuve ton suicide. J'approuve ton suicide. Toi le féticheur. Toi le féticheur. Toi l'agent des ténèbres. Maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu mets la main dans la gueule du serpent et qu'il te mord, c'est que toi-même tu fous. Amen. Donc je décrète une morsure dangereuse. Amen. Sur quiconque planifie ta destruction. Amen. Quand le lion te mord, tu n'as pas de chance de te relever. Il ne mord pas la main. Quand le lion chasse les vrais prédateurs, c'est sous la gorge quelque part qu'ils attrapent leur proie. Et quand il mord là, c'est fini. Tu ne te relèves pas. Donc ce geôlier ne se relève pas. Amen. Cet oppresseur ne se relève Amen. Pas. Je décrète sur lui une morsure dont il ne guérit pas. Amen. Dont il ne se relève Amen. Pas. Amen. On va apprendre à craindre le Dieu que tu invoques. Amen. Amen. Si on craint le crocodile, c'est parce qu'on est conscient de sa folie. On s'amuse pas avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici des lions. Amen. Amen. Donc je t'ai dit de te lever, de t'asseoir, de te lever, de t'asseoir. La première fois, j'ai dit, lève, assois-toi. J'ai dit, ne parle pas. Amen. Et j'ai encore dit, assois-toi. La typhoïde part. Amen. C'est la typhoïde qui te donne la somnolence. Vérité, papa. Vérité. Et les nerfs très tendus de ce côté. Vérité. Finalise bien tes examens, on va te dire tout ça. Mais Jésus enlève toutes ces choses-là. Amen. Il les enlève. Amen. Tu sais avoir mal dans le pied droit, Amen. Le tibia, dans le nom précieux. La jaunisse te quitte. Hein. Amen. Cette sorte de jaunisse-là, ça te quitte. Amen. Le manque d'appétit quitte. Amen. Tu sais de rôter bizarrement vers 2h du matin. Amen. C'est fini, fini. Amen. La servitude est finie, finie. Amen. Dans, lève-toi encore. Amen, amen. Donc c'est cela, tu sais d'avoir mal sous le menton. Amen.
Dans le nom de le spectre des ténèbres qui te dérange beaucoup depuis 11 mois s'enfuit. Amen. Cette force de la mort fait que de plus en plus tu as une tendance qui t'amène à vouloir tomber du lit. Tu es sur le point de tomber du lit. Ça m'est arrivé déjà 4 fois. C'est la mort, mon ami. Tu es couché dans le lit. Tu te retrouves par terre. Tu tombes du lit comme un bébé. La vie reprend dans ses droits en toi. Amen. Dans le nom. Il y a deux kiss dans ton sang droit. C'est ça qui picote beaucoup. Et ça quitte. Amen. Tu sens comme un poids dans l'œil gauche depuis 6 jours. Oui, ça quitte. Amen. Dans le précieux nom. Can I prophesize? On va dans la Bible maintenant. Acte chapitre 15, de verset 1 au verset 10. Je veux un lecteur. Acte chapitre 15, verset 1 à 10. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ne nous, un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Amen. Ajoute le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Amen. Le verset 12 dit quoi? Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux au milieu des païens. Amen. Amen. Une question qui nous a été posée par plusieurs personnes. Alléluia. Nous voulons saluer le frère Azaf à Libreville. Amen. Qui fait partie des gens qui ont posé cette question aussi. Sommes-nous encore sous la loi de Moïse? Voilà la question. Sommes-nous encore sous la loi de Moïse? C'est la question que je vous pose. On pourra vous la poser dehors. Sommes-nous encore sous les 10 commandements? Notre question. Sommes-nous encore sous la loi de Moïse? Tu as répondu quoi? Non, pas oui. Alléluia. Amen. La Bible répond à cette question aussi. Comment parler de la loi de Moïse si vous avez eu un époux et puis cet époux est mort, vous avez épousé à nouveau un nouvel homme. Continuerez-vous à vivre sous la loi et les lois de l'ancien homme sous le toit du nouvel homme? Je pose juste la question. Non.
Imaginez-vous, vous êtes avec votre nouveau mari et pendant qu'il est avec vous, vous êtes en train de crier le nom de Jacques qui était l'ancien. Vous voyez ça? Est-ce que ça donne ça? Non. Dieu, au cours des temps, a traité avec les hommes sous certains régimes. Les principaux régimes qu'on reconnaît dans la parole de Dieu, l'ancienne alliance ou l'ancienne relation, parce qu'alliance est relation, scellé par le sang des boucs et des taureaux, ou encore la loi de Moïse. Et vous allez encore avoir la nouvelle alliance, qui est une alliance éternelle, qui est scellée par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas dire que ça va être les seules alliances sous lesquelles Dieu a traité avec les hommes. Avant que la loi de Moïse ne vienne, Dieu a traité avec Abraham. Et la relation entre Abraham et sa famille et Dieu n'était pas basée sur les lois de Moïse. Ce n'était pas basé sur des lois. Elle était basée sur la foi qu'Abraham avait en ce grand Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Mais 450 années après Abraham, Dieu va détacher le peuple, la descendance d'Abraham, qu'on appelle Israël, de la terre de la servitude en Égypte. Il va entreprendre avec ce peuple une relation toute nouvelle qu'on va appeler la loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse? Parce que c'est sous Moïse. C'est Moïse qui va être le chef de ce peuple. C'est avec lui que Dieu va traiter. C'est avec lui, c'est à lui que Dieu va confier ses commandements. C'est lui qui a la charge de les communiquer au peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais depuis les temps anciens, depuis les prophètes, depuis cette loi de Moïse, depuis les prophètes qui se sont succédés, Dieu n'a eu de cesse de rappeler à ce peuple sous cette relation que cette relation sous laquelle vous êtes, elle est une relation temporaire. Elle est une alliance temporaire. Dans Jérémie 3, verset 16, par exemple, il leur annonce que les temps arrivent où l'on ne se souviendra plus de l'âge de l'alliance que j'ai faite avec vous au travers de Moïse. Il continue toujours dans le livre de Jérémie, je crois Jérémie 31 ou combien là, il va parler d'une nouvelle alliance qu'il va inaugurer, une nouvelle relation qu'il va inaugurer et qui n'aura rien à voir avec celle sous laquelle il a traité avec eux du temps de Moïse. Quand on parle du temps de Moïse, ça court, ça inclut le temps pendant lequel cette loi va durer. Même les prophètes de l'Ancien Testament ont fonctionné sous la loi de Moïse. Donc, tous ces gens de l'Ancien Testament ont été baptisés sous Moïse. Ils ont marché sous la direction de Moïse, sous une loi particulière qui était fondée sur une série de commandements, une série de choses à faire et à ne pas faire pour que l'alliance soit gardée entre Dieu et ce peuple. Donc cette relation-là pouvait être brisée. Elle était fondée sur les performances de l'homme. Ce que l'homme est capable d'offrir à Dieu pour obtenir de Dieu une position de juste, une position qui fasse de lui une personne acceptable devant Dieu. Donc c'était à l'homme, il revenait à l'homme de chercher cette justice. Il revenait à l'homme de plaire à Dieu par ses performances. C'est une relation qui est donnée à des hommes charnels. Des hommes naturels.
Et c'est une relation qui est là pour un temps. Elle n'a jamais été l'idéal de Dieu. Ce n'a jamais été que ça que Dieu avait à cœur. Puisque avant Moïse, Dieu traite avec Noé, Dieu traite avec Abraham, traite avec toutes ces personnes, mais ce n'est pas, leur relation n'est pas régie sur ce qu'ils sont capables d'offrir à Dieu ou de ne pas lui offrir. Leur relation est basée sur la foi. Amen. Amen. Foi en Dieu. C'est cette foi en Dieu qui permet que Dieu les déclare justes devant lui. Mais lorsque cette alliance, selon le temps marqué qui va venir par l'arrivée de Jésus, lorsque cette alliance vient à son terme, Dieu initie une nouvelle relation avec l'homme. Cette relation nouvelle, on va parler du Nouveau Testament. Jésus, dans les jours qui vont précéder sa mort, il va dire, lorsqu'il prend ce repas avec ses disciples, « Ceci est le sang de l'alliance qui va être scellé pour vous. » Est-ce que vous êtes ici? Amen. De la relation qui va être initiée, qui va être établie pour vous. Cette relation nouvelle-là ne va pas inclure exclusivement qu'Israël, contrairement à la première. Cette relation-là va faire appel à tous les hommes de ce monde. On va alors dire, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a suscité un homme en faveur du monde pour que cet homme représente le monde devant lui, afin que, en entrant en alliance avec l'invisible, le Dieu invisible, cet homme-là offre une alliance à quiconque croirait en lui avec le Dieu invisible. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, sommes-nous toujours sous la loi de Moïse? Cette question a alimenté les débats de l'église primitive. Jésus venait à peine de partir et puis il y avait trop de discussions. Le texte que nous venons de lire, vous pouvez encore avoir ses références dans Galates chapitre 2 et 3. Vous allez voir encore ces vives discussions. Pendant que Paul va recevoir la révélation de l'évangile, pas de la bouche de Pierre ou de qui que ce soit qui ait marché avec Jésus, Jésus va se révéler à lui directement. Au travers d'une série de visions, de révélations, Jésus va faire asseoir Paul et va lui montrer le message qu'il veut qu'il prêche. Mais cependant, Paul va rencontrer beaucoup de contestations. Parfois quand il prêche, surtout ces chrétiens d'origine juive venaient beaucoup le critiquer. Ils estimaient que pour que tu sois un vrai chrétien, pour que tu sois réellement sauvé, tu dois rentrer vers Moïse. Tu dois rentrer, mettre en application tous les enseignements de Moïse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tu dois, à moins que tu ne sois circoncis, à moins que tu ne prennes Moïse comme ta base, selon leur raisonnement, tu ne peux pas être sauvé. Sauvé, tu ne peux pas. Est-ce que vous avez vu le texte que nous venons de lire? Et ça va donc engendrer un vif débat. Et c'est ça qui va amener le Saint-Esprit à envoyer Paul à Jérusalem. Et Paul va venir exposer ce qu'il prêche. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Paul a eu de Jésus, reçu de Jésus, le ministère de prêcher l'évangile chez les païens, chez les non-juifs. Et ces non-juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Et pendant que Paul leur a prêché ce que Jésus lui a mis à cœur, Paul était surpris que les païens, sans la loi de Moïse, étaient sauvés. Ils étaient purifiés, ils étaient devenus enfants de Dieu, déclarés saints devant Dieu, sans aucune connaissance de la loi de Moïse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aucune connaissance de Moïse. Et mais derrière lui, quand il a fini de prêcher, il faut que d'autres prédicateurs viennent convaincre ceux qu'il a déjà sauvés par l'évangile, qui ne sont pas réellement sauvés, à moins qu'ils ne rentrent vers Moïse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pour ça que le livre de Galates va être quelque part écrit. Quand vous allez voir, vous allez un peu dans Galates chapitre 3, 4, Paul est en train de répondre à toutes ces interrogations. Il dit, vous recommandez à mes enfants, dans le Seigneur, de rentrer vers Moïse et d'appliquer les lois de Moïse. Alors, à moins de faire cela, ils ne peuvent jamais être sauvés. Il dit, si vous êtes allés jusqu'à Moïse, laissez-moi aller plus loin. Je conseille donc à ces gens
de ne pas s'arrêter vers Moïse. Puisque vous voulez la profondeur, allons plus loin vers Abraham. Est-ce que vous êtes là? Vous vous êtes arrêté vers Moïse. Allons plus loin vers Abraham. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Abraham a vécu avant toutes ces lois de Moïse. Mais Dieu l'a déclaré juste. À cause de sa foi. Vous restez figure dans Galates chapitre 3, 4. Et vous les verrez aussi ici dans Romains chapitre 4. Donc, Paul va établir à ses propres juifs-là, à ses propres frères, que l'affaire que vous voyez ici, ça n'est pas dit, on ne peut pas prendre Moïse comme la référence. Allons un peu plus loin. C'est Abraham qui a appelé le père de la foi. Et quand vous allez donc dans Galates, au chapitre 4, que je vais ouvrir avec quelqu'un ici, Paul va prendre un exemple. Il a dit l'intention originelle de Dieu n'a jamais vraiment été la loi de Moïse. La loi est survenue à cause des erreurs de votre père Abraham. Est-ce que vous êtes ici? L'intention originelle de Dieu a toujours été la foi. Parce que la foi saisit ce que la grâce a déjà offert. Donc Abraham a vécu sous une grâce. Ce n'est pas parce qu'il était très parfait en termes de conduite, mais c'est à cause de sa foi qu'il a été déclaré juste. Et il a été déclaré ami de Dieu et plaisait à Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc Dieu a voulu que sa pensée originelle, qui est Jésus-Christ, se manifeste au travers d'Abraham. Il a promis à Abraham un fils unique qui va naître de sa parole. Isaac va être la représentation de ce fils. Et c'est au travers de ce fils que tout ce qui descend de lui, tout ce qui sont de lui, vont naître. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc au lieu qu'Abraham attende la parole de Dieu, Abraham est plutôt allé prendre une esclave. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, la première femme d'Abraham qu'on appelle Sarah, elle est la représentation de la grâce de Dieu à partir de laquelle Dieu va donner son fils unique à l'humanité. Au lieu d'attendre le don gratuit de Dieu, Abraham dans la précipitation, Abraham dans les raisonnements de la logique, de la chair, n'a pas attendu que la parole se manifeste. Il est parti prendre une esclave. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et il va dire en réalité, ces deux femmes qu'Abraham a connues, et c'était des allégories qui représentaient les différentes relations au travers desquelles Dieu allait traiter avec l'homme. Puisqu'Abraham est le choix de Dieu, et Dieu a déjà défini la relation qu'il veut avoir avec l'homme, et Abraham va interrompre cette relation-là. Est-ce que vous êtes là? Abraham va se détourner de cette relation et va aller vers une esclave qu'on appelle Agar. L'une des appellations de la loi de Moïse, c'est aussi la femme esclave. Ou encore le Sinaï, la loi du Sinaï. Vérifiez ça dans Galates chapitre 4. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, mais il va dire que la première femme d'Abraham, qui s'appelle Sarah, s'appelle la grâce. C'est d'elle que vous êtes née. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, les deux lois sont nées à cause d'Abraham. La première loi que Dieu donne à Abraham, la loi originelle, c'est la grâce. Sans tes efforts, Abraham, je te suscite un fils. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il vient par ma parole. Il n'est pas le produit de tes efforts. Isaac est en fait Jésus-Christ sous une forme voilée que Dieu donne à Abraham à cause de la relation qu'il unit avec Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais au lieu d'attendre que Isaac naisse, Abraham est allé de côté pour accoucher un Barnabas avec la femme esclave. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc la femme esclave, enfant des esclaves, et il dit que ces deux femmes sont nées des entrailles d'Abraham. Sarah, la grâce, vous êtes là. Amen. Et Agar, la loi de Moïse. Est-ce que vous êtes ici? Il dit que vous,
vous êtes fils de Sarah. C'est Sarah qui est notre mère. On l'appelle encore Sion, la montagne de Sion. Agar s'appelle la montagne de Sinaï. Et donc, nous sommes aujourd'hui nés de la femme véritable d'Abraham, celle qui était chère de la chair d'Abraham. Nous sommes nés de Sarah qui est la femme légitime d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes nés de la parole que Dieu a donnée à Abraham. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il dit, c'était la représentation de quelque chose. Donc si cet enfant est né, si cette femme est venue dans la lignée d'Abraham, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est Abraham dans ses erreurs qui a amené Dieu à accepter la loi, à susciter. C'est Abraham qui a même suscité la loi là. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Voilà pourquoi Abraham, la femme esclave, parce qu'il est descendu d'Abraham, va quand même être béni. Mais va rester un fils charnel. Il n'est pas le fils de la promesse. Il n'est pas la pensée originelle de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la loi, par exemple dans Hébreux chapitre 10, on dit que cette loi-là n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que la représentation. L'intention originelle de Dieu, ce n'est pas d'accoucher, de donner une ombre à l'humanité. Est-ce que vous êtes ici? La loi est venue, a dit, Agar va accoucher avant Sarah. Est-ce que vous voyez que la loi de Moïse vient avant la grâce de Dieu? Et toujours les fils de la femme esclave, les fils d'Agar veulent persécuter le fils de Sarah. Chaque fois que vous commencez à trop prêcher grâce de Dieu, on veut trop nous insulter. On estime que nous vous excitons au péché. On nous attaque tellement. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il y a quelque chose qui fait. Dit, le diable aime la loi. Parce que c'est sous la loi que viennent les condamnations. Parce que tu n'auras pas pu obéir à toutes les lois. Pourquoi l'homme ne peut pas obéir à toutes les lois? Il est incapable. Il est déchu. Il est affaibli par le péché. Il vit dans un monde de tentation. Donc la loi de Moïse est parfaite. C'est la loi de Dieu. Mais elle est donnée à des hommes imparfaits, à des esclaves, à des gens qui sont sous le joug du péché. Comment peuvent-ils obéir? Donc elle fait la bonne affaire pour le diable. Chaque fois qu'ils ont péché sous la loi, ils sont sous la condamnation. Parce que maudit est quiconque qui ne marche pas, qui n'obéit pas à toutes les lois. Donc le diable gagnera à ce que ces gens soient constamment maudits. Il va les faucher constamment. Il va vous attaquer constamment partout où une loi vous est donnée. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour ça qu'il vous attaque beaucoup avec la haine. Parce que sous la nouvelle alliance, le commandement qui va résumer tous les commandements de l'Ancien Testament s'appelle l'amour. C'est sur le champ de l'amour que le diable va vous attaquer constamment. Il va provoquer les commérages. Parce que quand vous péchez, quand vous violez la loi, ça vous fragilise. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de décrire la loi de Moïse. On va avoir le temps pour faire la différence entre cette loi-là et la nouvelle loi sous laquelle vous êtes. Mais ce n'est pas ça notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous, chrétiens, vous, église, vous êtes encore sous la loi de Moïse? Est-ce que vous commencez à avoir des réponses? Vous pouvez être sur le toit de quelqu'un et vous lui dites que non, quand j'étais avec Ignace, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il va dire, ah, tu veux tes ignaceries là, oui. Alléluia. Amen. Il dit, mais la loi de Moïse n'était que l'ombre. Ce n'était que sous cette loi-là, Jésus est voilé. Tout ce que j'essaie de vous dire sous cette loi-là, je n'arrive pas à le dire véritablement parce que vous êtes des esclaves. Vous ne pouvez pas bien comprendre ma parole. Vous ne pouvez pas la saisir. Il y a une sorte de servitude à l'intérieur de vous, une servitude légale parce que vous êtes nés des esclaves. Vous êtes encore sous le joug du péché. Vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous n'êtes pas nés de Sarah qui est née de la parole. Il y a encore tellement de choses que je veux vous dire. Mais je ne peux pas les dire maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous êtes là. Mais quand vous naîtrez de Sarah, alors vous serez rempli de l'aptitude, de la capacité de comprendre un genre de choses. Vous voyez ça? Donc, cette loi
est basée sur la loi de Moïse, exige l'obéissance de l'homme. Elle n'a rien à voir avec la foi. Vous ne pouvez même pas avoir la foi. Si vous pouvez vous battre à obéir à ceci, à obéir à cela, à obéir à cela, c'est sur ça qu'elle se base. Mais jusqu'à là, l'homme n'arrive pas à obéir à toutes ces choses-là. Il ne peut même pas obéir à toutes ces choses. Toutes ces lois sont parfaites, mais données à des hommes imparfaits. Vous êtes ici. Amen. Vous ne pouvez pas fonctionner avec ça. Sommes-nous donc encore sous la loi de Moïse? Quelqu'un a commencé à répondre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, le verset 19 de Galates chapitre 3, il va dire, pourquoi donc la loi a-t-elle été donnée ensuite? Elle dit quoi? Pourquoi donc la loi? Point d'interrogation. Elle a été donnée ensuite. Si vous lisez bien le départ, on dit ensuite. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Amen. Physiquement, la promesse a été faite à Abraham concernant qui, parlant de qui? D'Isaac. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, il dit cette loi-là, elle est survenue à cause des transgressions. Transgression de qui? D'Abraham. Et elle doit rester là jusqu'à ce qu'Isaac naisse. Et quand vous regardez, Ismaël avec sa mère sont restés là jusqu'à ce qu'Isaac naisse. Vous avez vu cela? Amen. Et quand Isaac est né, ça n'allait pas du tout avec Agar, parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Vous comprenez que la loi de Moïse et la grâce de Dieu que nous prêchons ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pour ça que Sarah va dire à Abraham, tu as déjà vu ça. Qu'une femme avec qui tu es parti faire un enfant, elle vient sous mon toit et vous vivez sous mon toit. Pas de ça ici, pas sous mes yeux. Chasse la femme-ci et son bébé et son enfant. Vous avez vu cela? Oui. C'est dans Galates, vous vérifiez ça dans Galates 3 et 4. Il dit chasse-la pendant qu'Abraham va trembler. Dieu lui dit souvent, tu as souvent sorti les yeux à cette femme, cette fois-ci. Cette femme a raison. Vous êtes là? Hors des questions qui est mélange entre la descendante de Sarah et celle d'Agar. C'est pour ça qu'Israël vous déteste jusqu'aujourd'hui. Ils sont nés de la loi, n'est-ce pas? Ils détestent les chrétiens. Ils détestent tout ce qui est né de Jésus. Vous voyez, à certains endroits, certaines familles en Israël, ils vous interdisent de prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes ici? C'était des représentations, mais toutes ces choses... Quand Dieu a un homme, hein, parfois ses erreurs deviennent des messages puissants. C'était une erreur d'Abraham. Mais Abraham avait une relation telle que, une alliance avec Dieu telle que même ses erreurs recevaient l'onction de Dieu. Méfiez-vous d'insulter un homme que Dieu appelle. Dieu a réparé et a fait d'Israël une grande personnalité, lui a donné une grande descendance. À cause de qui? À cause d'Abraham. Donc certaines choses peuvent se produire dans la vie d'un homme que Dieu a utilisé et que vous pouvez trop critiquer et puis dire tu m'as été fidèle, tu es mon enfant, je ne permettrai pas qu'une telle honte continue, s'exprime dans ta vie. Il va mettre de l'huile un peu, juste un peu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc les fils de la femme esclave vont toujours détester les fils de la femme libre. Combien de femmes ici souhaiteraient que la femme qui a fait le bébé avec votre mari dehors vienne vivre à la maison? Il y en a ici? Non. Qu'elle vienne vivre à la maison? Et quand tu penses aujourd'hui que quelques-uns se lèvent à l'église, ils disent qu'il faut qu'on revienne à la loi de Moïse.
C'est comme si vous êtes en train de dire, il faut que Sarah prenne Isaac et donne à Agar pour qu'Agar l'élève. Vous avez déjà vu ça où? La femme du foyer prend son enfant et dit, va donner à ta femme de dehors qu'elle élève l'enfant. La loi ne peut pas te nourrir. Elle ne peut pas s'occuper de toi. Agar ne peut réellement t'aimer. Agar, c'est le ministère de la condamnation. Voilà pourquoi la loi de Moïse va appeler, elle va être appelée le ministère de la condamnation. Elle ne vous condamne pas parce qu'elle est méchante. Mais elle devient une condamnation pour nous, elle dit pour les hommes, parce que l'homme est déchu, bien qu'elle soit parfaite, aucun homme ne peut l'appliquer. Parce qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont déchus, ils sont faibles, ils sont incapables. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 9 dit, la loi n'est pas pour le juste. Nous sommes en train de maintenant aborder les passages bibliques qui vous disent que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Mais quelqu'un va me dire ceci, mais comment tu peux dire ça? On va enseigner quoi à nos enfants? Comment tu peux dire que les 10 commandements, et nous on a les 10 commandements. Donc tu veux dire qu'ils commettent l'adultère, c'est vraiment, Dieu approuve ça. Voilà les questions qu'on va me poser. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Vous êtes là. Amen. Lorsque vous allez toujours dans le livre de Galates, on dit au verset 12 que la loi ne procède pas de la foi. C'est-à-dire, la loi ne fonctionne pas avec la foi. Ce n'est pas ça. Dans d'autres versions qui sont plus bien dites, j'ai lu ça, j'ai apprécié. La loi de Moïse fonctionne avec l'obéissance. C'est ta capacité à être obéissant à ce que tu as vu dans les Écritures, à ce que la loi t'ordonne de faire, qui t'amène la bénédiction ou encore la malédiction lorsque tu n'as pas pu. Est-ce que vous êtes ici? Mais Jésus va initier des temps nouveaux. Au point où, lorsqu'il va marcher sur la terre des hommes, parce qu'il annonce une nouvelle relation, il va bénir les hommes. Et chaque fois qu'il passe le temps à bénir, il n'est pas, vous ne l'entendrez jamais dire un jour qu'il te soit fait selon ton obéissance. Il ne dira jamais à quelqu'un, parce qu'il vit sous la loi lui-même. Jésus est né sous la loi, n'est-ce pas? Où les gens sont supposés marcher en accord avec les 10 commandements, avec tout ce que Moïse a dit, n'est-ce pas? Mais nulle part, Jésus ne dira à quelqu'un, sois guéri, parce que tu as été à la synagogue très régulière depuis 8 ans. Vous n'avez pas vu cela? Ils disent, gens de peu de foi. La loi ne fonctionne pas par la foi. Elle fonctionne par l'obéissance des principes, à dire, pardon, des règles établies. Mais est-ce que l'obéissance n'est donc pas importante? Important. L'obéissance est importante, c'est très important. Lorsque la foi commence à fonctionner, vous obéissez sans trop même penser à obéir. L'obéissance est intégrée à l'intérieur de la foi. Est-ce que vous êtes là? L'obéissance n'est plus un souci puisque ça vient tout naturellement. Tu ne peux pas avoir foi en Jésus et ne pas obéir à sa parole. Ce n'est plus maintenant votre souci principal. Vous vous levez le matin et vous dites, il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il fera ceci pour moi, il fera ceci pour moi. Parce que j'ai foi en lui. Vous ne vous levez pas un matin et vous dites, oh, est-ce que j'étais suffisamment parfait depuis 3 jours? Est-ce que j'ai marché à la lumière des 10 commandements? Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez sous le ministère de Jésus. Il verra votre foi. Est-ce que vous croyez qu'il vous aime et qu'il est mort pour vous? Est-ce que vous croyez que le châtiment qui vous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui? Et aucune meurtrissure que vous mériteriez à cause de vos fautes. Parce que toutes vos fautes, il a pris des meurtrissures. Il a reçu des souffrances à cause de vos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aucun châtiment que tu mérites à cause de tes erreurs. Il dit, j'ai tout pris. Normalement, quand tu réalises ce qu'il a fait, parce que tu as foi en lui, parce que tu marches dans la conscience de l'amour qu'il te porte, son amour en toi, son amour pour toi commence à grandir en toi.
Et celui qui fonctionne dans la foi et dans l'amour, il n'a plus à se soucier de la femme de truie, d'adultère ou de pas adultère. Tout naturellement, parce qu'il aime Dieu, il y a un genre de choses qu'il ne fera pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est comme un enfant qui a grandi. Qu'est-ce qui nous différencie d'un enfant, un tout petit bébé? C'est que son fonctionnement, son raisonnement, son intellect a totalement changé. On n'a plus besoin de lui dire, assois-toi, ne touche pas à la prise. Tu vois, le gaz brûle. Vous êtes là? Oui. Attention à la salle de bain. Ça glisse. Tu es ici? Oui. Si on sonne, ne pas pour ouvrir, tu es encore petit. Ça, c'est les lois qu'on donne à quelqu'un dont l'intelligence est encore à un niveau. Mais lorsque Christ est venu à l'intérieur d'un homme, il vient avec le changement. Et quand on prend conscience et qu'on commence à marcher dans la conscience de cette nouveauté de vie qui est la nôtre, est-ce que vous êtes là? On n'a plus besoin qu'on nous martèle pas d'adultère, pas de ceci, pas de cela, pas de cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. La nouvelle vie qui est la vôtre et le nouveau régime sous lequel vous évoluez qui s'appelle la foi, vous évoluez sous la foi. Vous êtes ici? Amen. Il dit c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous recevez votre héritage. C'est par la foi que vous marchez désormais. Marcher par la foi vous amène également à marcher par, c'est aussi marcher par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit, celui qui est né de Jésus, il est déclaré juste. La nature de Dieu est venue en lui. Il n'est plus un esclave. On n'a plus besoin de marteler dans sa tête. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsqu'il tombe dans un genre d'erreur, lui-même sait. Le Saint-Esprit est en lui. Il est même mal à l'aise, là où il était à l'aise hier. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est déjà devenu une nouvelle création. Il est en Christ. Il fonctionne sous une loi nouvelle qui s'appelle la foi. Est-ce que vous savez que cette femme qui avait une peur de sang depuis 12 ans, si on doit fonctionner avec elle selon la loi, elle doit être lapidée. Elle est dans la désobéissance. Qui a donné la loi? C'est Dieu qui a donné à Moïse. Cette femme saigne. La loi dit, tu ne dois pas sortir et toucher qui que ce soit pendant les moments d'indisposition. Ça fait 12 ans. Vous êtes là? Amen. C'est l'épreuve que Jésus a guéri. On doit les lapider. Ils ne doivent pas sortir en public. Vous êtes d'accord? Amen. Ils doivent être en confinement. Donc selon la loi, ces lépreux sont dans la désobéissance. C'est la loi de qui? De Dieu, donnée à Moïse. C'est une loi parfaite. Mais Dieu, Jésus va purifier ces lépreux sur la base de leur obéissance ou bien sur la base de leur foi. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, à qui que ce soit, fait selon tes 40 jours de jeûne. Bien que le jeûne soit important, toutes ces obéissances-là sont importantes. Mais sous un régime nouveau que Christ va instaurer, ça s'appuie sur la foi. Croyez-vous qu'il vous aime? Croyez-vous que vous êtes bénéficiaire d'une grâce particulière en raison de ce qu'il a fait et non en raison de ce que vous avez fait? C'est ce régime que Jésus va instaurer. Ou bien, avant que les gens n'aient demandé pardon, ils reçoivent le pardon. Un petit mari, il commence à ouvrir le toit de la maison. C'est une faute lourde. Tu viens gâter la maison de l'homme de Dieu. Tu es là. Amen. Et on commence à baisser le lit. Il ne demande même pardon à personne. Il dit, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant sa foi. Non son obéissance. Non sa régularité à l'église. Bien que tout ça soit important. Mais c'est un nouveau régime. Sous Moïse, il faut obéir à tous les commandements. C'est tout, c'est épuisant et personne ne parvient à obéir à tout ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Matthieu chapitre 5, verset 7, il dit, quelques-uns vont me dire, mais Jésus lui-même a dit, je n'ai pas venu détruire la loi. Jésus même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Voilà les choses qui devraient venir, qui viennent certainement ce soir. Mais lisez tout le texte. Il dit que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Aucun de vous n'a pu accomplir cette loi depuis qu'elle a été donnée à Moïse. Même le meilleur de vous, Moïse, a échoué. Élie, Joël et Saint, il a échoué. Tous ont échoué. Tous ont péché. Et pour cela, sont privés de la présence de la gloire, la présence glorieuse de Dieu. Tous. Voilà pourquoi tous sont privés d'accès au ciel. Tous.
C'est toi, c'est à toi que la loi a été donnée. Pas à Jésus. La Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 9, verset quoi là, 19, tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or la loi, il va continuer, il va dire quelque part encore, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 9, la loi, elle n'est pas faite pour le juste. Lorsque Jésus va naître dans ce monde, bien que vivant en Israël, c'est un homme juste. Donc normalement, la loi n'est pas faite pour lui. La loi est faite pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Elle est faite pour ces peuples d'Israël. Et tous, aucun d'eux là n'a pu obéir à tous ces commandements. Et Jésus, et Dieu vous remet, mais vous allez dire que c'est puissant. Je vous ai donné 613 commandements. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Bon, on réduit ça à 10. 10. On contracte à 10. Mais obéissez aux 10. Hein. Et si quelqu'un pêche sur un des 10, je considère qu'il a péché sur tout. Et il est maudit. Vous êtes d'accord? Ils disent oui. Voyons voir. Vous êtes là. La loi est parfaite. Elle est sainte. Elle est donnée à des gens imparfaits, à des pécheurs. La loi n'est pas donnée dans le but d'enlever le péché, mais dans le but de leur montrer leurs incapacités, de prouver à ces gens qui sont incapables de plaire à Dieu par leur propre performance. La loi leur dit, produisez-moi un peu la justice, démontrez-moi. Le Dieu du ciel leur dit, démontrez-moi que vous pouvez être juste. Et si l'un de vous peut être juste au point d'obéir à tous ses commandements, je lui donne la vie éternelle, non comme un don, mais comme une récompense. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez lire dans Galates chapitre 3, où il va dire, au verset 12, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Dans, dans la Bible des Semeurs, il dit, celui qui mettra toutes ces lois en pratique recevra la vie. Jésus a mis toutes ces lois en pratique, là où aucun homme ne pouvait les mettre en pratique. Et il a reçu la vie. Est-ce que vous êtes là? Il était obéissant à Dieu sous toute la ligne. Il n'avait pas besoin de ça. Il a fait pour toi. Il a pris ta place dans la loi. Et il a accompli pour Israël, en faveur d'Israël, la loi. Il a accompli cela en faveur de l'homme. Cette loi divine qui était trop parfaite pour l'homme et qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Et parce qu'aucun n'a pu accomplir cette loi et tous étaient placés sous condamnation. Tous devaient attendre le Seigneur sous le sang d'Abraham dans le séjour des morts. Donc, mais ils avaient cru au sang des sacrifices des taureaux, des boucs, qui étaient des représentations de ce que Jésus viendrait faire. Et en raison de leur foi primitive, leur obéissance, qui les amenait à couper les taureaux et les boucs tout le temps, qui étaient des représentations, un peu comme les photos de Jésus qui allaient venir, des photos floues, qui décrivaient ce que Jésus viendrait faire. Ils ont cru en des photos floues. Et ils ont fait des investigations et demandant constamment à quelle époque même ce salut va paraître. Ce salut qui sera capable d'enlever totalement le péché et de nous réconcilier avec Dieu. Ils ont prié, ils ont investigué et l'Esprit de Christ qui était avec eux leur disait, ça ce n'est pas pour votre époque. C'est réservé à un peuple qui n'aura rien fait. Il n'aura même pas prié. Il n'aura même pas jeûné. Mais cela, cela sera donné comme une grâce. Nous sommes de la génération de la grâce. Amen. La génération de Benjamin. Amen. Ceux qui moissonnent ce que Christ a fait. Amen. Nous sommes la génération des moissonneurs. Jésus a travaillé et nous moissonnons le fruit de son travail. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, il dit qu'il est venu accomplir. Parce qu'il a accompli, c'est pour ça que tu n'as pu accomplir. Tu jouis du fruit de ce qu'il a fait. Parce qu'un homme a accompli en faveur de tous les hommes ce que Dieu exigeait à l'homme. Parce qu'il a accompli cela, la vie éternelle lui est donnée au troisième jour. Est-ce que vous êtes là? Elle lui est donnée comme une récompense même, comme une victoire. Mais parce que tu crois en Jésus aujourd'hui, malgré tes erreurs, tu crois que c'est pour toi qu'il a fait tout cela. Si tu es dans la, si tu es du peuple hébreu, ceux à qui la loi de Moïse a été donnée et qui était sous condamnation à cause de cette loi-là, si tu as cru en Jésus,
tu es délivré de cette loi-là et de ses conséquences. Amen. C'est pour ça qu'on dit Christ nous a rachetés de la loi, de la malédiction de la loi. Est-ce que tu es là? Amen. Aucun païen n'était sous la loi de Moïse. Donc ça s'adresse surtout aux Hébreux. Est-ce que vous êtes ici? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que là où il y a des lois, et là où il y a des hommes qui n'ont pas pu obéir aux lois, les condamnations viennent, les jugements viennent. Est-ce que vous êtes ici? Voulez-vous encore rentrer sous la loi? Parfois les gens regardent à la loi et disent non, ça c'est le haut niveau. Les gens ne peuvent pas être suffisamment purs si on ne leur prêche pas la loi. Si on ne leur prêche pas à quel point Dieu est en colère, Dieu va les punir. Dieu. Voilà ce qui est prêché majoritairement dans les églises dehors. Dieu va te punir. Luc 16, verset 17. Lis-moi ça. Si c'était sous la loi, le lépreux, là, on allait lui dire, Moïse allait lui dire, qui t'a amené dehors? Tu veux la guérison, tu restes chez toi. Et tu vas rester chez toi toute ta vie, la guérison ne viendra pas. Parce que Moïse n'ira jamais dans la maison d'un lépreux. Mais lui, il est venu du ciel. Son nom, c'est Jésus. À la recherche des perdus pour leur donner la vie. Amen. Sous la loi de Moïse, touche un lépreux, tu deviens impur. Vous voulez rentrer, touche le lépreux et le lépreux devient pur. Amen. Vous voyez, quand le remède est supérieur au problème, il guérit le problème. Amen. La loi ne pouvait pas guérir le problème du péché. Et la grâce est venue du ciel, en la personne de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève ce que Moïse n'a jamais pu enlever, malgré ses sacrifices. Et lui l'a fait une fois pour toutes, par un seul sacrifice, et il s'est assis. Comme vous dites, le travail est fini. On n'aura plus rien à redire. C'est fait une fois pour toutes. Lise, s'il te plaît. Luc 16, verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vient à tomber. Mm-hmm. Amen. Donc les gens, le genre de passage, les gens vont suivre avec lui, que non, Jésus m'a dit que la loi ne passera jamais. Comment vous pouvez dire ceci? Est-ce que vous êtes ici? La loi est très importante dans la mesure où elle nous permet de mieux comprendre ce que Jésus est venu accomplir. Vous avez une meilleure compréhension des choses, certaines choses que vous lisez dans le Nouveau Testament parce que vous êtes rentré les voir dans l'Ancien Testament. Et encore que ceux qui étaient là avant que cet Ancien Testament, ce Nouveau Testament ne se soit écrit, le Saint-Esprit les a ramenés dans l'Ancien Testament. C'est en lisant l'Ancien Testament qu'ils ont commencé à voir les révélations de Jésus. Le Saint-Esprit dévoilait. Donc l'Ancien Testament, c'est Jésus voilé. Le Nouveau Testament, c'est Jésus dévoilé. Et le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. Ça commence après, à partir de Matthieu. Non. Ça, c'est un temps de transition. C'est depuis le moment où Jésus va aller mourir à la croix. Il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui va être scellé pour vous. Elle commence par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, lis un peu Hébreux chapitre 8, verset 7. Sommes-nous toujours sous la loi de Moïse? Moïse, un peu de Jésus. Vous êtes là? Voilà, vous êtes déjà marié à M. Alexandre et vous dites, bon, comme tu es marié avec Luc il y a 8 ans, un peu de Luc, un peu d'Alexandre, pour mieux fonctionner dans ce foyer. Ça peut donner. Et tu viens t'asseoir à table avec lui, avec M. Alexandre, dis, oh, Luc, lui, il aimait les pommes de terre et la tomate. Je te fais les pommes de terre, chérie, comme avec Luc. Ça va sortir de ses narines. Il n'est pas bien de prendre le vin nouveau et de le mélanger avec. Il dit, de le mettre dans les vieilles outres. Ne m'énerve pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que les figures là sont dans la Bible? Et c'est pour ça que Romains chapitre 8, verset quelque chose dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La loi est le domaine de la chair. C'est là que Satan va régner. Parce qu'ils ne fonctionnent pas selon l'esprit, ils ne sont pas nés de l'esprit. Donc l'une des autres appellations de la loi de Moïse, c'est la chair. Elle a été donnée aux hommes naturels. Elle se limite dans les cinq sens. Ils vivent dans les cinq sens. Leur compréhension de la foi est totalement différente de la vôtre.
Est-ce que vous êtes ici? Quelqu'un se dit qu'il croit parce qu'il a pu, il s'est battu pour essayer d'obéir aux 10 commandements. Et Jésus est constamment en train de prouver à ces gens que vous êtes battus. Mais essayons de voir, essayons de voir, parce que vous vous vantez. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça le premier commandement, non, chez vous, non. Sous la loi, non, il dit oui. Il dit, mais j'ai fait toutes ces choses. Il dit, voyons voir après, à partir du premier commandement. Apporte-moi donc tout ton argent, puisque tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. L'homme dit, là, tu mens. Je refuse le premier commandement, là. Je préfère rentrer au quartier. Tu vois, il dit, tu as péché donc sur toute la loi. Tu ne peux pas m'aimer de tout ton cœur. Tu vois donc, tu es déchu, tu es condamné, tu es même sous la malédiction. Le premier, d'abord, tu n'arrives pas à obéir. Qui va être sous la loi ici? Amen. Amen. Donc, quelques-uns viennent comme ça à l'église, ils disent, oh, ils commencent à citer les choses qu'ils ont faites. Ils ont fait pour Dieu, ils ont fait pour Dieu. Et ils disent à Dieu, si quelqu'un doit être béni ce soir, c'est moi. Ils sont dans la logique de la loi. L'homme de foi dit, je crois en son amour pour moi. Je ne serai jamais suffisamment pur à ses yeux. Je ne parais pas devant lui avec ma propre justice, me vantant de mes accomplissements. Ma vantardise se base sur ce qu'il a accompli pour moi et non sur ce que j'ai accompli pour lui. Je crois en toi. Je crois que tu as pris ma peine à la croix. Je crois que tu as été châtié. Tu as. Sous cette alliance, tout est centré sur tu as accompli. Tu as accompli. L'ancienne alliance est basée sur j'ai. J'ai. C'est centré sur ce que tu as fait. Vous êtes ici. C'est une alliance particulière maintenant. Ça se base sur ce que Jésus a fait. Ce que tu fais est important, mais ce n'est pas sur la base de ce que tu fais que tu es justifié devant Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est à cause de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas à cause de ce que tu peux faire que tu es déclaré juste devant Dieu aujourd'hui, mais que tu reçois la guérison, mais c'est à cause de ce que lui il a fait. C'est lui qui a payé le prix. Donc n'essaie pas de te vanter de tes prix que tu essaies de payer. Dans l'Ancien Testament, un homme se place devant Dieu et dit, j'ai fait cela. Pour cela, s'il te plaît, donne-moi, envoie-moi la vie éternelle. Fais-moi un orange, mon nez. S'il te plaît, ne me fais pas trop attendre. J'ai été parfait sur toute la ligne. Voilà pourquoi vous allez lire certains psaumes de David. Parfois Jérémie. Il dit, mon cœur a été droit devant toi, Seigneur. J'ai été ceci, je n'ai pas voulu regarder au méchant. Il se vante tellement de lui-même. C'est pour ça que le Seigneur m'a sauvé. Voilà, ça, c'est le langage de l'Ancien Testament. C'était normal sous cette alliance-là. Ça, c'était normal sous Moïse. Maintenant, vous êtes assis à table avec Jésus, vous venez avec le langage de Moïse. Vous avez dit, c'est la chair, ça. Tu ne peux pas me plaire. Tu veux plaire à Dieu? La foi. Voilà pourquoi nous sommes sous une relation qu'on appelle aussi la foi. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La suite dit quoi? Hébreux 8, verset 7. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc une alliance a été remplacée par une autre. Mais ça ne choque pas. On dit que la première alliance avait des défauts. Comment est-ce que Dieu a donné pour avoir des défauts? Moi, ça m'a choqué pendant plusieurs années. Vous ne vous posez pas la question. Si la première alliance avait... Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas le livre d'Hébreux. Il dit des choses parfois trop bizarres. Vous êtes là. Quels sont les défauts de cette alliance alors qu'elle vient de Dieu? Cette alliance est parfaite, tu es imparfait. Elle est sainte, tu es un pécheur. Elle est trop juste, toi tu es injuste. Tu es là. Tu es déchu, incapable. Tu es même spirituellement mort. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas marcher sur cette alliance-là. Aucun homme ne peut marcher sur cette alliance-là. Cette alliance-là tue. Elle n'enlève pas le péché, ce n'est pas sa mission, bien qu'elle soit saine, bien que votre miroir soit très beau, il ne peut pas vous laver. Vous voulez être lavé, achetez-vous du savon. Vous êtes là. Le miroir, la seule fonction du miroir, même s'il est parfait, même s'il descend du ciel, c'est de vous montrer vos imperfections. Il dit, tu as mangé, tu as de l'huile ici. Mais n'enlève pas de l'huile. Tu vas enlever l'huile. Et du savon. Et de l'eau. Donc, il ne faut pas demander au savon de faire ce que... Elle dit au miroir de faire ce pourquoi il n'est pas été appelé à faire. Donc, revenir commencer à trop prêcher la loi, croyez que c'est ça qui va rendre les gens puissants, c'est une erreur très grave.
Parlez-leur du savon. Le savon de Dieu s'appelle Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Plus on vous le présente, plus vous réalisez qui vous êtes. Plus clair que vous voyez en lui, plus vous êtes transformé. Il a dit à Moïse, élève le serpent. Des reins. Conclut le serpent des reins sur le bâton. Et quiconque, malgré les poisons, malgré les serpents, va regarder au serpent des reins. Le serpent des reins parle de ce que Christ a accompli et qui est prêché, qui vous est présenté. Est-ce que vous êtes là? Il dit, peu importe le nombre de serpents, même s'il était victime de 10 morsures, à force de regarder le serpent des reins, les venins fuient. Ils ne se rendent même pas compte. Le sérum est en train d'opérer. L'évangile est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Or, quiconque ne croit pas, il n'a pas le temps de s'asseoir. Il veut quelque chose dans la cocotte. Il mange même avec la bouche brûlée. Et puis, il vomit même ça. Voilà pourquoi il vous attaque. Il n'aime pas l'enseignement. Il n'aime pas qu'on vous présente un genre de choses. Ce n'est pas vous. En fait, c'est quelque chose qui vous influence. Parce qu'au commencement, créé par Dieu, tout bébé aime la nourriture de sa mère, le lait de sa mère. Si vous le rejetez, quelque chose se produit. Amen. Nous continuons rapidement. Donc, faut-il donc mélanger les deux pour que ça soit plus fort? Vous êtes là. Dans Marc chapitre 2, verset 22, il a dit, personne ne met le vin nouveau dans des vieilles outres. Voilà pourquoi, quand un homme a bu un vieux vin assez longtemps, donnez-lui un nouveau vin, il le crache. Quelques-uns se sont assis, on leur a prêché des choses très difficiles dans les oreilles. Ils ont été dans des systèmes, dans des églises, on leur a prêché des choses pendant des années. Quand vous venez vous présenter quelque chose qui est même sous, a dit dans la Bible, c'est clair dans la Bible, ils ont de la peine à accepter cela. Tout que non, moi je vous excite au péché. Moi-même je suis trop pécheur, je déteste le péché. En regardant à lui, lui crucifié pour moi. Lui devenu, c'est-à-dire, aller identifier au serpent pour moi. Lui affrontant la mort pour moi, affrontant mes serpents pour moi, s'identifiant à mes serpents pour moi, pour que j'en sois délivré. À force de m'exposer à lui, les venins quittent. Le venin de la haine quitte. Le venin de la haine quitte. Le venin de la colère quitte. Les venins des maladies quittent. De mieux en mieux, je me sens. Autrefois, j'étais très malade. Et tant que je cherchais le message, je cherchais encore le chemin. Avec mes deux chapelets dans les poches. Au fur et à mesure que je retrouve la parole, je suis en forme tous les jours. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Parce que parfois, on parle de Jésus, et Dieu n'a pas fait la prière forte. C'est bien tout ça. Mais rien ne vient avant Jésus. Vous comprenez ça? Nous avons tellement prêché Christ à son aliment qu'il y a une gloire terrible. Un violent serpent nous a attaqué cette nuit-là. Vous voyez, pendant que mon épouse est surgie du rêve, dit, quel est ce serpent rare qui nous attend? La boule qui était sur le plafond de l'hôtel a éclaté. Bam! On est dans l'obscurité totale. Ça, on lui avait réagi. Il dit, vraiment, Dieu était avec nous ici. Dieu, vraiment, le message là. Fire! Les corps chauffaient. Il dit, n'avons-nous pas senti du feu en nous pendant qu'il nous parlait? C'est ce que les disciples qui allaient à Emmaüs ont dit à Jésus. Donc on va arrêter ce soir et j'espère qu'on a commencé à répondre à vos questions. Je te donne Galates chapitre 4, tu lis tout le chapitre 4. Sommes-nous toujours sous la loi? Pouvons-nous mélanger les deux? Est-ce que Agar et Sarah peuvent vivre dans la même maison? Pourtant, tous chacun les fils d'un même père. Voilà pourquoi les fils de la loi et les fils de la grâce ne peuvent pas. Vous pouvez avoir Balibo aimé les fils de la loi, mais ils vous détestent correctement.
Et Galates 4, verset 30. Sarah dit à Abraham, chasse. Chasse-la avec son enfant. On ne peut pas vivre ensemble. Comme vous dites, on ne peut pas mélanger la loi avec la grâce. La loi vous aidera à comprendre ce que Jésus est venu accomplir. Mais vous ne pouvez pas vivre avec la mentalité de Moïse sous le toit de Jésus. La Bible dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 4 en descendant, que cela vous prive de la gloire, de la grâce. Vous vous privez de la grâce. Les raisonnements dans nos façons de faire, dans nos cœurs, dans nos pensées, les idées, les façons de faire de la loi, font que nous brisons, nous bloquons la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Quelqu'un vient par exemple s'asseoir dans un endroit où la guérison de Dieu s'exprime. Il ne croit pas trop en Dieu, il croit en lui-même. Il y en a un qui se fâche, il dit, mais comment elle a pu guérir? Alors que je suis à l'église depuis. Celui-ci, le menteur, si. Moi je paye mes dîmes. Ça c'est l'esprit de la loi. Moi je. L'esprit de la grâce dit, toi tu as fait ceci pour moi. Tu m'aimes. Tu seras toujours là pour moi. Parce que tu m'aimes, je sais que même si j'ai perdu l'emploi, un autre emploi meilleur que celui-ci est en route. Au milieu des douleurs, il dit, je crois en tes meurtres. Par tes meurtres, j'ai été guéri. La foi célèbre les évidences de Dieu comme des réalités physiques. La foi regarde les choses telles que Dieu les voit. La foi va dans la dimension de Dieu et voit les choses telles que Dieu les voit. Il les célèbre avec une bouche naturelle. Elle célèbre des réalités spirituelles dans le naturel. Et ça s'accomplit. Dis comment n'avez-vous pas dit, ce n'est que tout ce que vous avez pu prendre, gens de peu de foi, j'ai apporté tout l'abondant du ciel pour vous. Prenez autant que vous pouvez prendre. Quelqu'un prend sa guérison ce soir. Amen. Quelqu'un récupère ses documents perdus. Amen. Je ne sais pas quel est le serpent qui t'a mordé depuis toutes ces années. Par le Christ que nous te présentons ce soir, tu reçois l'antidote. Amen. Le sérum. Amen. Le remède. Amen. Il entre dans tes veines. Et la puissance du serpent est brisée. Amen. Juste parce que nous exaltons Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Les liens de la mort qui t'environnaient sont brisés. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est dans cette salle avec des règles très douloureuses depuis bientôt 3 jours. 3 jours. Tu guéris. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour le grand amour que tu nous as porté. Tu nous as épargné du ministère de la condamnation. Tu nous as donné cette grâce de naître à une époque où tu avais déjà tout accompli. Une époque où nous n'avons pas vécu sous Moïse. Certainement, quelques-uns ici auraient été frappés de tellement de choses. Tu nous as fait naître au temps marqué. Nous sommes la génération que tu as toujours désirée. Celle qui est née à la bonne époque. Nous sommes l'époque à laquelle Moïse a désiré naître. David a désiré naître. Élie, Élisée, Samuel ont désiré naître à cette époque. Siméon a attendu jusqu'à vieillir. Il t'a vu de loin. Il a vu cette alliance de loin Abraham aussi. Mais nous sommes nés sous cette alliance-là. Où nous célébrons tout ce que tu as accompli pour nous. Où nous recevons un remède suprême. Un remède capable d'étouffer tous nos problèmes, de phagocyter toutes les œuvres des ténèbres. Cher Jésus, nous t'apprécions.
Les jougs sont brisés. Les jougs sont brisés. Les serpents lâchent. Les diabètes lâchent. Les problèmes respiratoires reçoivent la guérison. C'est tout qui encombre ta poitrine te lâche. L'influence de ce serpent s'arrête. Nous l'arrachons de ton système. Et la paix du Seigneur vient sur toi ce soir. Dans sa résurrection, il a fait de toi son co-héritier. Je dirai à un homme qui m'écoute ce soir, il y a un héritage glorieux pour toi en Jésus. Il a préparé pour toi bien avant la fondation du monde. Peut-être que tu me regardes ce soir et tu n'as pas encore commencé à expérimenter cet héritage. Tu as besoin de mieux t'asseoir. De mieux comprendre ce qui était réellement arrivé. C'est de fonctionner sous Moïse. Réalise ce qui t'est arrivé. Tu as été baptisé en Jésus. Et en Christ, Dieu t'a donné la propre place de son Fils. Et en Jésus, où tu te trouves désormais, aucun diable n'est permis d'opérer. Ce diabète n'est pas permis d'opérer. Cette hypertension ou ce cancer, je brise le joug du diable. J'infuse la vie. J'infuse la guérison ce soir. Je décrète les résurrections maintenant. Cet organe, ce membre de ton corps que tu n'arrivais pas à bouger, recommence à bouger. Recommence à bouger. Je décrète la vie. Je décrète la vie. Tous les problèmes de peau ressemblent à la guérison maintenant. Les problèmes de nerfs tendus, arthrose, peu importe le nom de cette œuvre des ténèbres. Il apparaît pour détruire les œuvres des ténèbres. Et prolonge ses jours au travers de nous. Donc j'ai paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Toute œuvre des ténèbres qui s'exprimait dans ta vie est anéantie maintenant. Anéantie dans ton sang. Anéantie dans tes os. Anéantie sur ta peau. Anéantie dans ton âme. Soit une éruption de la puissance de la résurrection ce soir. Je décrète les miracles. Amen. Je décrète la faveur. Amen. Je décrète les portes ouvertes. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir les mains du Dieu qui t'a embrassé. Amen. Lorsque tu as dit oui à Jésus. L'oppression te lâche. Amen. Le joug de la folie est brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. Toutes les âmes enchaînées dans les ténèbres sont détachées. Amen. Amen. Le salut entre chez toi ce soir. Amen. Il entre chez toi maintenant. Amen. Il te visite maintenant. Amen. Ce joug est enlevé de tes épaules. Amen. Toute servitude prend fin. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Ce mot de ventre s'enfuit. Ce mari spirituel chute et meurt brutalement. Amen. Tout ce que la sorcellerie t'a fait avaler, manger pour te détruire, toutes ces saletés, m'entends maintenant, par la puissance de la résurrection, dans le nom de Jésus-Christ, ces choses sortent. Amen. Ces choses lâchent. Amen. Ces choses lâchent. Amen. Le rejet de qui? Les liens de la mort qui t'environnaient sont brisés. C'est brisé. Les liens du célibat sont brisés. Et les portes du mariage sont ouvertes. Cette fracture reçoit une infusion de la puissance de Dieu. Et je décrète la reconstitution de tes os. Les lions sautent. Les tumeurs explosent. Les kystes explosent par le feu du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection est chez toi. Elle est chez toi. Elle est chez toi. Prends ta main maintenant et touche l'écran. Et tu reçois le feu, la puissance de la rédemption. Tout pouvoir qui a avalé ce qui est à toi, ce pouvoir-là meurt. Et ce qui est à toi te revient. Quand vous êtes assez oppressé, je décrète en cette saison où nous prions sur la prospérité que quoi que ce soit qui s'est assis sur tes finances, te consacrant à la pauvreté et à la misère, je brise la malédiction. Amen. Personne n'est maudit au ciel, ça ne commencera pas par toi. Amen. Tu es né de lui. Amen. Tu dois prospérer de sa prospérité. Amen. Que son co-héritier. Quand
quelqu'un me regarde ce soir et tu n'as pas encore dit oui à Jésus. Jésus t'aime toujours. Je voudrais t'introduire à lui ce soir. Et je voudrais prier avec toi pour t'introduire à Jésus. Dis-lui avec moi alors que tu ouvres la bouche depuis l'endroit où tu te trouves, que ce soit ici dedans, que ce soit à travers les réseaux sociaux, tu peux lui dire avec moi ce soir. Cher Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais mon cœur est convaincu. Tu es donc le Dieu du ciel, affaire aux pécheurs. Parce que ta Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils avant que quiconque croit en lui, il reçoive la vie éternelle. Je reconnais mes fautes. Et je t'invite, toi, le don gratuit. Toi, Dieu incarné. Toi qui es mort pour moi à la croix et qui est ressuscité au troisième jour. Je t'invite dans mon cœur. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Sauveur. Toi qui as vaincu la mort. Délivre-moi de mes fautes. Car je m'en détourne totalement. Lave-moi par ton précieux sang. Je crois en toi. Remplis-moi de cette vie qui est la vie éternelle. Cette vie qui réconcilie l'homme à son Créateur. Mon Père. Merci, tu le fais maintenant. Merci, tu t'établis dans mon cœur. Et je lève ma main et ouvertement je déclare, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon médecin. Et pendant que je te reçois dans ma vie, Seigneur, ce soir, toutes les maladies disparaissent. Je reçois une éruption de ta puissance dans tout mon être. Et je peux voir tous les jougs brisés, toute faiblesse retirée. Merci, Père, pour la communion rétablie, pour la communion initiée, pour cette glorieuse réconciliation. Je suis désormais ton enfant. Je suis né de nouveau. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, du fond de ton cœur, la présence glorieuse de Dieu te remplit. Le Seigneur te remplit de sa présence. Je déclare, tu es né de nouveau. Et je t'invite à rejoindre une église rapidement. Parce que quand tu dis oui à Jésus, tu deviens ton disciple. Un disciple a besoin d'être sous l'autorité d'un enseignant pour mieux comprendre ce qui lui est arrivé, pour mieux grandir dans la connaissance de son Dieu, de son Maître. Mais si tu es dans cette ville, nous t'invitons au milieu de nous, à la cité du Christ ressuscité. Bienvenue dans notre glorieuse cité. Tu n'as pas dit oui à une religion, mais tu as dit oui à une relation avec Jésus. Bienvenue dans la famille de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Ton offrande. Je dis à quelqu'un qui se sent constipé, beaucoup de constipation, tu es détaché, délivré, guéri de cela maintenant. Dans le précieux nom de Jésus. Pendant que tu élèves ton offrande, tu lui dis Seigneur, merci. C'est un privilège que tu me donnes de me tenir dans la salle du trésor, la salle de ton trésor ce soir. Je t'apporte mon adoration. Merci du privilège. Sanctifie ce que je t'apporte, reçois ce que je t'apporte. Tu as dit qu'il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci d'activer en ma faveur ton alliance d'abondance. Dans le nom précieux de Jésus. Sais-tu que quand tu plantes, tu fais appel à une moisson? Et j'ai dit que le Seigneur se souvienne de toutes tes semences. Qu'il apporte une pluie forte, une pluie de bénédiction dans toutes tes entreprises. Que sa faveur t'accompagne. Une santé exceptionnelle s'attache à toi.
puisses-tu vivre longtemps. Je déclare sur toi l'exemption, la préservation, la protection divine. Aucun de vous n'aura même la tour. Aucun de vous. Je déclare la protection divine par le sang de Jésus. Ce virus tueur, il ne vous verra jamais. Vous êtes rendu invisible à l'œil de ce démon-là. Nous appelons le précieux sang de Jésus sur cette nation, sur ce continent. Et nous commandons à cette force, à cet esprit de mort, de reculer, de disparaître. Et nous disons merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Mettons nos fronts. Remplis de joie et de paix.